Aujourd'hui, nous allons voir un sujet extrêmement important. Ce sujet, c'est les expressions physiques dans l'adoration et la louange. Les expressions physiques dans l'adoration et la louange, c'est ce que nous faisons quand nous exprimons notre adoration, quand nous exprimons notre louange à Dieu. C'est ce qui se passe au niveau de notre corps. Ce qui peut être vu par tout le monde. Ce sont des expressions physiques. Et aujourd'hui, nous allons voir trois d'entre elles. La première expression physique dans l'adoration et la louange, c'est se tenir debout. Se tenir debout. Se tenir debout dans l'adoration et la louange, c'est un signe de respect, un signe de révérence. Dans le temps, quand j'étais à l'école, je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui. Quand on était à l'école, quand un professeur arrive en classe, les élèves se mettent debout pour saluer le professeur. Quand le directeur arrive en classe, c'est la même chose quand un visiteur arrive en classe. C'est le même scénario. C'est un signe de respect pour le visiteur, un signe de respect pour le directeur ou pour le professeur. Donc, se mettre debout dans l'adoration, dans la louange, c'est un signe de respect. C'est un signe de révérence. Certaines fois, dans un culte, on voit le meneur de culte qui demande à l'assistance de se mettre debout. Il y a des personnes qui ne s'occupent même pas de lui. Donc, est-ce que c'est parce que ces personnes ignorent le sens de cette expression ou c'est pour ce que tout simplement ces personnes veulent rester ou demeurer dans la rébellion, ou c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc se mettre debout dans l'adoration, dans la louange, c'est un signe de respect. Ça fait partie des expressions physiques dans l'adoration et la louange. Je vous donne les textes. Vous pouvez lire Psaume 24, Psaume 140, 134 verset 1er, Psaume 134 verset 1er, Psaume 135 verset 1er et 2. La deuxième expression physique dans l'adoration et la louange, c'est chanter. Donc, peut-être que je vais faire une vidéo toute particulière en ce qui concerne le chant, parce que le chant, c'est une expression physique qu'on utilise très fréquemment au cours de nos cultes communautaires. On utilise tellement le chant devient tellement incontournable dans l'adoration et la louange, ou du moins dans l'expression d'adoration et de louange. Certaines personnes croient que l'adoration et la louange résume au chant. Le chant n'est qu'un moyen d'expression. C'est-à-dire, le chant nous permet d'exprimer la louange à Dieu, mais le chant n'est pas synonyme de louange, le chant n'est pas synonyme d'adoration. Quand vous arrivez à l'église, vous vous mettez à chanter. Si votre vie n'est pas en communion, votre vie n'est pas en relation avec Dieu, vous ne faites que chanter, mais vous n'adorez pas. Parce que l'adoration va au-delà du chant. L'adoration n'est qu'un moyen nous permettant de nous exprimer. Quand je chante, c'est parce que à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se passe. Je ressens au fond de moi un amour profond.
Je ressens du feu à l'intérieur de moi et ce feu-là qui me consume à l'intérieur, je ne fais que l'extérioriser par le chant. Le chant n'est pas l'adoration en elle-même, mais le chant, c'est un moyen d'expression. C'est une sorte d'expression physique. Donc, à travers les Écritures, il y a beaucoup d'exemples. Les psaumes nous parlent beaucoup du chant. Exode, dans Exode chapitre 15, 21e verset, nous avons vu la cantique, bien, le cantique, le chant de Marie. Marie a chanté. Le chant, ça se trouve très fréquemment à travers les Écritures. Le livre de Psaumes est bourré d'expressions en ce qui concerne le chant. Vous pouvez noter les textes, Juges chapitre 5, verset 3, 2 Samuel 22, verset 50, 1 Chronique 16, verset 9, tous ces versets nous parlent du chant. Psaume 7, verset 18, Psaume 9, verset 3, verset 12, Psaume 33, verset 3, Psaume 47, versets 7 et 8. Pour ne citer que ces textes-là, parce qu'il y en a plein. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent du chant à travers les Saintes Écritures. Parce que le chant, c'est un moyen d'expression physique qu'on utilise très, très fréquemment. La dernière expression physique pour terminer avec cette vidéo, c'est élever les mains. C'est encore une autre expression physique utilisée dans l'adoration et la louange. Quand vous vous rendez à l'église, certainement, vous avez l'habitude de voir des personnes qui élèvent les mains. C'est une expression physique dans l'adoration. Et cette expression veut dire que nous sommes à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons. Nous sommes complètement à toi. Fais ce que tu veux. Et la parole de Dieu nous exhorte à élever les mains pures dans 1 Timothée 2, verset 8. Élever les mains également, c'est un signe de soif. Quand je suis en train d'adorer Vigile, je lève mes mains, je dis à Dieu que j'ai soif de sa présence. C'est un signe de soif, un signe d'abandon. C'est une soif intense. Psaume 143, verset 6, Psaume 134, verset 2 et Psaume 28, verset 2. Dans cette vidéo, nous avons vu trois expressions physiques dans l'adoration et la louange. La première, se tenir debout. La deuxième, chanter. Et la troisième, c'est élever les mains. Tout le temps, on voit des personnes qui se mettent debout. On voit des personnes qui chantent, des personnes qui élèvent les mains. Ça, ce sont des expressions physiques dans l'adoration et la louange. À très bientôt pour une autre vidéo. Mon nom, c'est votre frère, votre ami, adorateur Bertin d'Orvilmar. Dans la prochaine vidéo, nous allons considérer trois autres expressions physiques dans l'adoration et la louange. À très bientôt.